Bonsoir à vous tous. Merci, merci beaucoup. C'est pas fini, elle commence juste. Moi aussi d'ailleurs. Mais d'abord, merci d'être venus aussi nombreux. Donc, au mois de février, j'ai eu un coup de fil de l'officiel des transporteurs pour me demander si j'étais prêt à présenter l'entreprise au trophée du transporteur de l'année. Et ça faisait 3-4 ans qu'on me sollicitait, mais je pensais que c'était pas le bon moment. Donc après réflexion, et j'ai donné mon accord. Donc on a préparé un dossier qu'on a monté pendant un petit mois. C'était un petit peu compliqué, mais bon, après nous étions à l'époque 6 à nous présenter. Après il n'en restait plus que 4. Et lorsque notre dossier a été retenu, j'ai dû monter au mois de mars. Et là, j'étais devant, entre guillemets, mes pairs, puisqu'il y avait 29 transporteurs, puisque je suis maintenant le 30e. 29 transporteurs, un jury, et pendant 20 minutes, j'ai dû présenter l'entreprise, ce qu'on faisait, notre développement, notre stratégie. Et qu'est-ce qui a fait tout ça? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, on est tous là? C'est qu'en fait, je pense que notre entreprise a fêté ses 100 ans, il y a 2 ans maintenant, et on a tout le temps essayé, je crois, d'apporter un service grâce à vous, grâce à nous tous. Aujourd'hui, si nous en sommes arrivés là, c'est parce que vous êtes des bons professionnels. Je vous le disais de temps en temps, quand on faisait des repas, malheureusement, il y en a beaucoup moins, mais je profite de ces moments pour vous remercier, parce que c'est le travail de tout un chacun, que ce soit des gens dans les bureaux, que ce soit des gens dans les ateliers, des gens sur les quais ou des gens à la manutention ou vous, pour la plupart, sur la route tous les jours. Ce service que vous apportez à nos clients nous a permis d'avoir une notoriété et d'être reconnu aujourd'hui. Et je peux vous dire que quand vous avez en face de vous des transporteurs qui ont des tailles pour la plupart plus importantes que la nôtre, et qui décide de vous donner ce trophée, de donner le trophée à l'entreprise, parce que c'est pas le trophée de Philippe Doumain, c'est le trophée de nous tous. Et si on est là ce soir, c'est parce que vous avez été formidables, les anciens qui sont encore là ce soir, et ça me fait plaisir de revoir les vieux. Il y en a quelques-uns qui sont partis à la retraite, il y en a quelques-uns qui... Il y a des jeunes aujourd'hui qui arrivent et ça me fait plaisir. J'ai eu l'occasion, justement grâce à ce trophée, de participer aux 24 heures du Mans. On avait quelques représentants qui ont fait leur travail, et merci à eux aussi. Et ce qui est chouette, je trouve, c'est que même si nous on a l'impression qu'en fait il y a moins de gens qui aiment les camions, il y a moins de jeunes qui aiment ce métier, quand vous allez aux 24 heures du Mans poids lourd, moi je vous conseille d'y aller. C'est vraiment formidable de voir tous ces gens, tous ces jeunes qui préparent leur camion, qui ont l'amour du camion, et ça me réconforte un peu, vous savez, et vous en entendez parler. C'est vrai qu'aujourd'hui on a quand même quelques difficultés à trouver des conducteurs routiers, et quand je vois tous ces jeunes aux 24 heures du Mans, je me dis finalement on aura peut-être demain de meilleurs jours. Et Et c'est super, parce que nos camions, ils sont là parce qu'ils rendent service à tout le monde, même si on n'a pas tout le temps une belle image. On est là pour polluer, on est là pour emmerder les gens sur la route. Mais ce qu'il faut qu'on arrive à faire comprendre à tout le monde, c'est que si on n'était pas là, ils n'auraient pas de gasoil dans la voiture, ou d'essence, pardon, puisque maintenant on parle d'essence, on ne parle plus de gasoil, et ils n'auraient rien à manger dans la gamelle. Donc je crois que vous avez un métier formidable, vous faites un boulot super. Moi, je vais pas vous emmerder toute la soirée, je vais dire merder, on est là pour s'amuser. Et je vous souhaite une super soirée, je vous remercie à vous tous, les anciens, les nouveaux et les fidèles. J'espère qu'on restera encore longtemps ensemble, et je ferai tout pour que cette entreprise continue à se développer. Et bonne soirée, merci à vous tous.